Salut tout le monde, on se retrouve pour la dernière vidéo de Beyond Good and Evil. Du coup, je m'excuse par avance si la vidéo est trop longue ou trop courte. Donc notre but, c'est d'aller de ce côté. Vous voyez, il y a trois machins sur lesquels il faut marcher. Et il faut qu'on descende ce pont-là pour que nos deux acolytes puissent passer de l'autre côté. Ah, tiens. Il y avait une carte tout à l'heure, j'ai oublié de la prendre. Tu me surestimes, Jade. Tac. Si tu me files pas quelques impéants, je vais rester un boulet pour toi. C'est quoi ça? Ah, bien. Ok. Du coup. Voilà. On va grimper, du coup, n'est-ce pas? Bah, il est où le... Ah, il est plus en hauteur. Ok. D'accord, très bien. Ah, vous en... Ok, ensuite il faut que j'appuie sur le truc là-bas, je crois. Ah. Ok. Ça marche. Du coup. Donc précédemment, on était allé du coup, donc on est ici, sur la lune. On a enfin bouclé, enfin non, on n'a pas bouclé encore, mais on a la photo pour le reportage. Ok. Et on a retrouvé Paige qui était mort, mais grâce à un pouvoir étrange que posséderait... Vite, à la salle de l'éditeur. Que posséderait Jade... Canon 60, progression en zigzag. Carson et Peter, page 39. Ok. Merde. Tenez bon, on approche de l'émetteur. Qu'est-ce que c'est ça? Hop. Et donc là, on doit aller directement à l'émetteur des sections alpha pour du coup... envoyer un message à tous les Iliens en montrant la fameuse photo. Du coup, tac. Ouah, que c'est beau. Ok, donc vu qu'on a la photo, on va pouvoir demander un code au gouverneur. Contrôler l'émetteur? C'est incroyable. Je fais au plus vite. Tenez bon. Faites vite. Si la population se soulève, les sections alpha vont sûrement tenter de fuir. Ok, donc J6W7. Tac, c'est où que... Alors, du coup, J6W7. C'est souvent du 6 et du 7. Alignement émetteur. Pointage objectif. Ok, entrée data. C'est à toi de jouer maintenant, Jade. Ok. Données étrangères. Système protégé, accès interdit. Verrouillage. 10. Ils vont bloquer les contrôles. 9. 8. Ah, ne t'inquiète pas, Jade, il m'en coupe de tout. 6. Amigos, 5. Segundo el único va vous montrer 4, qui est le best of the best 3, ici. 2. 1. Système bloqué. Ah, bravo el único! Le roi des saligots, ouais! Le empereur des crétins! Le peuple des abrutis! Le grand un architecte de... Fort, qui me casse les oreilles. Regarde. Ouverture de session en cours. Bonjour, Général Secundo. À votre service. Ciao, Bella. J'ai un ami qui souhaite diffuser un petit reportage. Tu me prépares un alignement sur la 21-3 Mazzoli.
Toi toujours aussi belle, hein? À vos ordres, général. Data chargée. Diffusion. Ami Ilia, aidé par les traîtres du réseau Iris, l'ennemi Dom s'affranchit les champs protecteurs et s'est infiltré dans ta cité. Assez ! Unissons nos forces ! Amigos, señores, señoras et bien sûr, señoritas. Ouvrez bien grand vos yeux, vos oreilles, tutti quanti. Je ne vais pas vous dire des palabras, des mensonges et des choses à rallonge. Je vais juste vous montrer la vérité, eh? Las secciones alfa sont des bandous, des bandidos, des imposteurs, des rascals, des serpents sonnettes. Regardez les photos que nous avons prises. Les sections alpha sont les complices des forces d'Homs. Ce sont les sections alpha qui enlèvent les citoyens d'Ilis et les livres d'Homs. Une fois sur la Lune, les victimes sont vidées de leur énergie et meurent. Depuis le début, on a été trompés et manipulés. N'écoutons plus les mensonges des sections alpha. Les enfants sont encore dans la base d'Homs. Il faut retourner là-bas. Mais pour le moment, il vaut mieux évacuer le secteur. Bonne stratégie, soldat. Mais un peu tardive. Adieu. Procédure d'autodestruction enclenchée. Oh, oh, oh punaise. Ah, d'accord, ok. Ok, j'avais oublié ça. Heureusement, j'ai sauvegardé avant. Mazette. Oui, ben ça va, j'ai compris qu'il fallait que je me casse. Allez, allez. Courez, courez, tout va exploser. Bon, ça va, on est à côté, heureusement. Allez, viens, mon petit cochon. La vérité enfin révélée par le réseau Iris, nos confrères de toujours. Le peuple ilien s'est soulevé pour chasser les sections Alpha hors d'Iris. Une fois encore, la grande famille du journalisme a su montrer qu'elle avait un rôle essentiel à jouer dans l'histoire. Je te jure. Qu'il change. Mais comment il retourne sa veste, moi ? Excellent. Le serpent sort de sa tanière. Rayon tracteur activé. Ah. On est bloqué par le rayon tracteur. Oula! Alors, les cafards! Empêtrés dans ma toile! Mazette. Gardez le rayon tracteur enclenché. Okay.
je suis très concentrée. Ça c'est fait. Vous les avez sérieusement touchés. Continuez, mademoiselle Jade. Aïe. Mais... Qu'est-ce que vous espérez? Vous êtes foutus. Aïe. Merde. Désolé, c'est le temps que je comprenne comment ça marche. Gardez le rayon traiteur enclenché. Il faut larguer l'Overcraft si on veut aller éteindre le rayon tracteur. Hey! La voie est libre! On peut accoster directement, mademoiselle Jade! Il faut entrer à l'intérieur de l'araignée si on veut éteindre le rayon tracteur. Ok. Donc là, on a une sauvegarde. Ok. Allez, venez, les enfants. Hein? Intrusion! Oh putain! Intrusion! J'attends votre ordre, voisin. Ah! Oh! Intrusion! Intrusion! Tiens! Tiens, vilain! Allez, où le grand Manitou? Qu'est-ce que tu espères? Tous les tiens sont déjà morts. Ta mère et ton père. Le porc et les gamins. Nous avons pillé leur fluide pour prolonger nos vies. Jean, il te cherche. Il est sur ta trace depuis des siècles. Tu mourras, toi aussi. Et tombent les anges de l'enfer. Bon... Il faut retourner dans la base. Tous les prisonniers sont encore dedans. Comment est-ce pour les parents de... Bizarre. Ok. J'ai entendu des voix là-haut. Il y avait encore quelqu'un de vivant? Non, il reste personne. Mais on peut pas vraiment appeler ça vivant. Allez, venez les enfants. On va faire un petit tour de bateau. Allez, on se casse. Aire d'atterrissage, repéré droit devant. Ah oui, non, c'est vrai, faut qu'on aille chercher les enfants. Ouais, mais on est censé faire comment? Il y a encore le barrage, en fait. À moins que je puisse peut-être... Attention, ils envoient la garde rapprochée. Le coup, il en sort de partout. Au bordel. Tiens. Toi aussi, t'en veux? Merde. Allez, boum. Ok. On va laisser les Iliens s'occuper d'eux. Là, un ascenseur triple. Tout le monde en position. À vos ordres. Merci pour tout, mes compagnons. Allez, force et courage. Shoni, enfin, tu viens à moi. Tu as bien servi ton maître, Shoni. Grâce à toi, les Iliens.
sont venus à moi, aveuglément. Jade ? Total bagage ! Ah ! C'est un piège ! Les commandes ne répondent pas ! Tu n'es pas celle que tu crois. Le port t'a caché tes origines. Non, Jade ! Ne l'écoute pas ! Espérant me détruire, mais j'ai survécu, me nourrissant de ridicules poussières de vie. Ils t'ont rendu humaine, mais tu n'es pas comme eux. Tu es à moi, Shoni, et je vais tuer le peu d'humain que tu as en toi. Jade ! Mazette ! Que de révélations ! Mais je vais défoncer ta goule. Donc là, comme vous l'avez compris, on est sur le boss de fin. Ah, je suis con. Ah, je suis con. Ok. C'est parti. Désolé, petit cochon. J'ai pris ma stock. Ok. Faut que je reste concentrée, sinon je vais faire de la merde. Qu'est-ce que ça va être cette fois? Putain, que des double H. Mademoiselle Char, nous souffrons par votre courroie. Abandonnez. Rejoignez-nous, mademoiselle. Ok. Mademoiselle Char, il faut abandonner le combat. Mademoiselle Jade, nous souffrons par vous. Abandonnez. Rejoignez-nous, mademoiselle Jade. Je suis concentrée là.
Ah. Alors, vous, vous vous en rendez pas compte, mais tout est à l'envers en fait au niveau des touches. Donc si je vais aller à droite, il faut que je clique à gauche et en face, c'est... voilà. Donc là... Ok. C'est pas gagné. Ah, ça marchait avant. Je suis nulle. Je me concentre. Bah, non. J'y arrive. Mais... Et voilà, on a fini Beyond Good and Evil. Oui. Donc, vous vous en êtes pas franchement rendu compte parce que vous avez pas soit la manette, soit le clavier en main. Mais en fait, quand la créature, le prêtre nous dit « Je prends le contrôle de ton esprit », il y a tout qui est inversé. Et en fait, je me souvenais qu'avant... c'était il y a un moment, mais avant, quand je jouais avec la souris et le clavier, j'avais juste à faire clic droit, clic gauche pour ce dernier combat. En fait, vous esquivez, vous attaquez. Et c'est ce que j'ai fait sur vraiment la toute fin. Mais autrement, en fait, tout est... Enfin voilà, après ça marche pas tout le temps. Là, j'ai essayé, ça n'a pas marché. Donc j'ai dû faire dans le sens inverse du coup. Donc quand vous allez à droite, il faut aller à gauche. Enfin, c'est... Voilà, quoi. Tout est inversé. Mais je trouve ça sympa, ce petit boss de fin, vraiment très sympa. Pas long et tout, enfin normal quoi, enfin vraiment
Voilà, ça change un peu. Et donc sinon, on a eu pas mal de révélations en vrai, mais pas tout. C'est ça que je trouve bien et pas bien, c'est que apparemment Jade en fait aurait à l'intérieur d'elle donc des pouvoirs qui en fait seraient la force du prêtre d'Homs qu'on a rencontré, qu'on a détruit du coup. Mais il cherche sa force depuis une centaine d'années, si j'ai bien suivi. Donc ça voudrait dire que les parents de Jade feraient partie d'une sorte d'organisation contre les Doms depuis longtemps en fait. Et du coup cette organisation aurait peut-être retiré du coup ses forces et ensuite ben, c'est les parents de Jade qui en auraient hérité et du coup qui auraient fait ce qu'ils avaient pu avec Paige pour continuer de cacher cette force. Et je sais pas si vous vous rappelez au tout début du jeu. Enfin après vous avez juste à revoir les vidéos, mais au tout début du jeu, la première créature d'Homs qu'on a rencontrée avait entre guillemets capturé Jade et parlé à Jade. Et elle a dit le nom de Shoni. En fait, alors que ça sort de nulle part en fait, on sait pas du tout qui est Shoni et à un moment il dit Shoni. Et elle a une sorte de vision justement du prêtre sous un halo de lumière avec cette espèce de statue vivante derrière avec ses quatre bras. Ou six, je sais plus. Ça y est, je sais plus. Je crois qu'elle en a quatre. Et en fait, ouais, il l'appelle Shoni. Et donc Shoni serait peut-être son vrai nom. On sait pas vraiment en fait. Et donc grâce à son pouvoir, donc déjà le prêtre d'Homs est mort et Paige est vivant. On a pu, enfin Jade a ressuscité Paige, le truc incroyable. Donc grâce à sa force, donc peut-être qu'elle aurait en elle une forme d'énergie d'Homs et elle pourrait s'en servir à bon escient. Et donc le prêtre d'Homme, c'est pour ça qu'il kidnappait les Iliens. C'était en fait pour récupérer une source d'énergie humaine pour survivre en fait. Un petit peu comme Sauron dans Le Seigneur des Anneaux, mais en différent. J'y vois une corrélation personnellement, mais en fait pas trop, mais voilà, en gros, pour survivre, en fait, il a du coup absorbé de l'énergie ilienne et j'imagine de l'énergie de d'autres créatures qui viennent de d'autres mondes probablement. Et donc, par contre, je ne comprends pas l'intérêt pour l'armée Alpha. Parce que bon, je sais pas, quand t'es face à un mec qui veut de toute façon aspirer des âmes humaines. Ou alors c'était peut-être pour essayer... Si on voit le côté bien du mec, imaginons, le mec n'est pas si méchant que ça. Le mec là, avec son araignée là, enfin, le big boss des alphas. Imaginons, il n'était pas si méchant que ça. Peut-être que sa mission à lui, c'était simplement de retrouver Shoni pour enfin arrêter tous ces kidnappings. Imaginons. Bon, je sais que c'est pas du tout ça, mais en vrai, enfin... Moi je vois ça, enfin je sais pas, je rencontre un mec, enfin un prêtre d'Homs qui me dit bon si tu trouves Shoni, je laisse ton peuple tranquille, ok, deal. Mais ça s'est pas passé comme ça, je pense pas. Je pense que c'est juste un méchant et voilà, faut s'arrêter un peu là. On a plein de photos du coup du phare avec IWH et Paige, c'est trop mignon. Et donc on a sauvé tout le monde, les enfants, les Iliens, tout le monde. On a sauvé tout le monde. Il y avait même Mo qui avait été capturé. Donc voilà. Et c'est vraiment un super jeu. C'est vraiment un super jeu. C'est un de mes premiers jeux PlayStation 2, je crois. Je suis pas sûre. Mais vraiment, celui-là, il m'avait marqué de ouf. Il est court. Et c'est ça que j'aime bien dans ce jeu. C'est que la musique est géniale. Le design est super. Enfin, franchement, j'ai rien à dire. La manip. Autant sur la manette que sur le clavier, j'ai pas trop de problèmes, sauf pour les courses, comme vous avez pu le voir. Ou du coup, j'y suis retournée à la manette pour juste les courses, mais sinon ça va. En vrai, ça va. Et voilà pourquoi il y aura bientôt un 2.
Il y a une suite à ça, c'est obligé. Non, et puis en vérité, on n'a pas toutes les réponses. Enfin, je veux dire, on ne sait pas qui sont les parents de Jade, on ne sait pas exactement quelle est la force d'Homs, est-ce qu'il en reste parce que c'est un prêtre d'Homs, est-ce que du coup il existe, parce qu'il existe plein de créatures d'Homs, mais est-ce qu'il existe quelque chose de plus grand et de plus vaste que le prêtre d'Homs, tu vois. Enfin, est-ce qu'il n'y aurait pas un ennemi plus grand, est-ce que... En fait, on n'a pas toutes les réponses. Le jeu, en fait, en soi, c'est une forme de commencement, mais c'est une fin. Enfin, je sais pas comment expliquer ça, c'est cette histoire est finie. C'est-à-dire que l'histoire d'Ilys avec le phare, tout ça, ça c'est fini. Mais l'histoire de Jade et de Paige n'est pas finie, en fait. Et ça du coup, en fait, quand j'ai vu ça, je me suis toujours dit, c'est sûr, il y aura une suite. Et je me souviens à l'époque, je sais plus en quelle année, mais à un moment donné, ils avaient mis une image sur internet pour dire Beyond Good and Evil 2, mais sans donner vraiment d'informations dessus, juste qu'ils avaient l'intention d'en faire un 2. Et ça fait longtemps qu'on l'attend, ce numéro 2. Et là, plus je vois des images, parce qu'en ce moment ça défile pas mal au niveau des images depuis un an et demi, je crois. Il y a pas mal d'images qui défilent de Beyond Good and Evil 2 et franchement, rien que visuellement parlant, ça a l'air ouf. Et j'espère qu'ils ont gardé beaucoup de l'ancienne équipe pour faire le 2 parce que, honnêtement, au niveau de l'ambiance, de l'environnement, même du lore en fait, enfin de. Comment expliquer? De l'environnement. Je sais pas comment. Ouais, le lore, tout simplement. En fait, on arrive à comprendre énormément de choses en si peu de temps. Je veux dire, le jeu n'est pas long en fait. Et quand vous faites pas toutes les quêtes annexes, le jeu est extrêmement court hein, en vrai. Hein. Si vous rushez, c'est très court comme jeu. Et c'est ça que j'aime bien avec ce style de jeu. J'aime beaucoup j'aime beaucoup Final Fantasy X. Mais c'est un jeu qui est extrêmement long, les combats sont longs, c'est quelque chose qu'on peut reprocher au jeu. Alors que là, c'est court, et c'est ça que j'aime bien, c'est que j'ai pas besoin de comprendre l'ambiance, l'environnement du jeu et l'histoire du monde pour comprendre en fait. Et pourtant, il est court, donc voilà, c'est ça que j'aime bien, c'est avoir un nouvel univers qui est expliqué de façon courte et bien. Et voilà, je trouve que ce jeu est riche. Malgré sa courte durée, c'est incroyable. Enfin voilà, c'est dommage qu'à l'époque, parce que je crois que il était pas très connu comme jeu, peut-être un poil plus aujourd'hui, mais à l'époque il était vraiment pas du tout connu. Les gens qui ont joué l'ont adoré et les autres ne savaient pas qu'il existait. Je pense que c'était un peu ça le délire. Et c'est dommage parce que franchement, il est hyper bien comme jeu. Mais je crois qu'ils l'ont mal vendu, le jeu. Je pense que les gens qui s'occupaient du marketing n'ont pas fait leur taf parce que, en vrai... Ou alors peut-être que, comme pour Shadow Hearts, peut-être qu'il est sorti en même temps qu'un autre jeu très connu, une licence très connue, et du coup, il a fait beaucoup moins de ventes. Peut-être, c'est possible aussi. Mais j'avoue, je me suis pas renseignée sur le sujet, donc ce ne sont que des suppositions. Mais pour moi, clairement, le service marketing a pas du tout géré, hein, parce que Beyond Good and Evil, c'est un jeu qui vaut le coup. Donc en vrai, c'est un jeu que je conseille. Si vous aimez les jeux aventure, franchement, jouer à celui-là est trop trop bien. Donc voilà, du coup, ça doit faire 35 minutes là qu'on pile poil. Donc voilà, en vrai, j'ai vraiment presque rien à reprocher au jeu. En fait, j'ai beaucoup de points positifs à lui donner. En point négatif, peut-être les bugs qu'il y a. Enfin, les bugs, c'est vraiment des petites choses visuelles ou des petites choses au niveau du son. C'est vraiment des trucs minimes. Mais ça, je pense que c'est à cause de la version Steam, vu qu'ils l'ont mis sur PC. Du coup, voilà. Vraiment, à part ça, j'ai pas grand-chose à reprocher. Enfin, vraiment, j'ai rien à reprocher au jeu. En fait, il est bien. Voilà, c'est un bon jeu. Et alors peut-être que certains diront ouais, il est un peu court, mais à l'époque non, on pouvait pas dire que c'était un jeu qui était court parce que c'était monnaie courante d'avoir des jeux courts. Moi j'étais habituée aux jeux PlayStation 1 et franchement les jeux étaient pas courts du tout en fait. Enfin, ils étaient courts quand tu les connaissais par cœur, mais la première fois que tu joues à un jeu PlayStation 1, quand tu connais pas le jeu est pas si court que ça en fait. Hein. Tu peux passer 7 à 8 heures d'affilée sans t'en rendre compte et à tourner en rond comme un débile parce que t'arrives pas à trouver ta solution. Hein.
Par exemple, Parasite F2, le jeu, tu le rush, il est court, mais quand tu veux aller faire toutes les créatures sur la map parce que tout est en rouge tout le temps, quand tu vas chercher comment obtenir tel code, machin, tu dois fouiller partout. Et ça te prend des plombes, en vrai. Donc, en soi, le jeu est court et pas court. Et là, vraiment, si je fais pas les quêtes secondaires et que je rush le jeu, vu que je sais où sont les perles et tout, j'ai juste à rush les perles là où il y en a le plus. Et puis basta, et je finis le jeu en deux-deux, hein. Vraiment, hein, le jeu est court. Mais honnêtement, je peux pas lui en faire le reproche parce que. Non, je peux pas lui en faire le reproche. Il est très très bien. Il est très bien. Il est pas trop long, au contraire. Enfin, ouais. Non, il est bien. J'adore ce jeu. Donc, voilà pour Beyond Good and Evil. Donc, on a une espèce de spin-off, ça s'appelle? Je suis pas sûre. Vous savez, quand on nous fait. On nous donne envie de voir la suite d'un jeu ou d'un film en nous montrant une petite image de ce qui pourrait suivre. J'avoue que là, ce qui arrive à Paige, c'est pas cool. J'espère qu'il lui reste un sérum malgré l'état du phare. Mais ouais. Mais il y aura un Beyond Good and Evil 2 et honnêtement, j'ai vraiment hâte qu'il sorte. Je pense pas que j'y jouerai Day One. Je pense que je ferai comme pour Resident Evil 2 Remake, je vais attendre 3 semaines après sa sortie pour y jouer, parce que le temps que les gens se rendent compte de tous les bugs qu'il y aura et du coup qu'ils en fassent référer aux personnes adéquates et ensuite qu'ils s'occupent de virer tous les bugs du jeu, je pense que 3 semaines c'est largement suffisant pour que le jeu soit plus buggé, parce qu'aujourd'hui c'est ça. Aujourd'hui ils sortent leurs jeux vidéo et puis ils attendent que les mecs les testent pour virer leurs bugs. Donc, après ils peuvent pas tout avoir l'œil sur tout maintenant, mais bon, voilà quoi. Donc ouais, du coup bah, j'ai grande hâte de voir Beyond Good and Evil 2 parce que franchement, il me met en haleine. Ce jeu, c'est ouf. Plus je vois des images, plus j'ai envie d'y jouer. Ça faisait longtemps que ça m'avait pas fait ça, hein, vraiment. Donc voilà, du coup bah, j'ai terminé Beyond Good and Evil. Pour la semaine prochaine, il est fort probable que je joue à Dino Crisis. Ça fait un moment que je voulais y jouer, tout comme Silent Hill, mais Silent Hill, j'arrive vraiment pas à me pousser à le faire, parce qu'en fait, je vous avoue, pour Silent Hill, je pense que je ferai juste une fois le jeu, et je ferai pas les quêtes secondaires, les différentes fins, enfin pas toutes, ça c'est sûr, mais ça prend beaucoup de temps de faire les différentes fins, et pour le moment, je suis pas du tout dans le délire de faire ça. Alors que Dino Crisis, faire les différentes fins, c'est beaucoup plus court. On va pas se mentir, ça n'a rien à voir. Donc, du coup, ouais, je pense que je vais refaire un petit jeu court, tranquille. Et pour le coup, Dino Crisis, je vais voir pour essayer de faire le même délire que pour RE3 de 99, pas RE3 Remake. Donc, ouais, Resident Evil 3, où du coup, j'avais fait une première partie où j'avais fait une façon de faire et une deuxième partie où c'était l'autre façon de faire. Voilà, histoire de montrer les différentes situations, on va dire. Donc voilà, du coup, je pense que je vais m'atteler à Dino Crisis pour la semaine prochaine. Voilà, en Survival Horror. Donc comme j'ai dit, je vais essayer de faire Survival Aventure. Survival Aventure l'un après l'autre. J'ai bien dit essayer. Et puis là, on est de nouveau sur un jeu court. Donc après Dino Crisis, je vais voir pour faire un jeu long. Et je ne sais pas encore lequel. J'ai large le choix, en vrai. Je sais pas encore lequel, donc je verrai. Donc voilà, du coup, bah, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vais arrêter de papoter là. Du coup, on se retrouve la semaine prochaine pour sans doute Dino Crisis, du coup. Moi, je vous fais des gros bisous. Et puis, ben, bah voilà, du coup, à la semaine prochaine. Bisous tout le monde!